Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening. Motivé comme jamais pour avoir peut-être un nouveau 5 étoiles et me rapprocher de la cinquantaine, parce que mine de rien on est à 48, donc on va s'en rapprocher, hein, on s'en rapproche même. Du coup avec pas mal de choses, donc également un super, enfin un opening de Super Chrysos Heroic par 100 qui va pas tarder, parce que là j'en suis à, je crois, 60, 70, un truc comme ça. Donc ça va pas tarder. On a également pas mal de 4 étoiles, donc vous pouvez voir qu'on en a 3, je pense pas qu'on en aura de quatrième. Et donc en termes de 5 étoiles, on est à 9200. Et du coup, on pourra en ouvrir un. De ce côté-là, j'ai écrit sous X-Force, mais je vous ferai un gros opening en fin de mois. Les cristaux solo, on les ouvre pas. Voilà. On a pas mal de trucs. Et on a également beaucoup de cristaux d'arène dans l'incollectable, étant donné que je n'en avais pas ouvert la fois dernière, en fait. J'en avais 15, je crois, un truc comme ça. Du coup, maintenant, j'en ai 40. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai même 42. Voilà. Donc, juste pour vous dire que, du coup, je vais les ouvrir. On n'ouvrira pas de cristaux de fragments ou de cristaux de gloire. On va juste ouvrir ces cristaux de quête d'alliance. Oula, ça bug un peu, hein. De toute façon, c'est du basique, hein, qu'il me faut. Il n'y a pas de je veux un catalyseur. Là, c'est vraiment le basique qui m'intéresse. Aucun problème de ne pas avoir de catalyseur formé. C'est vrai qu'un petit basique formé, ça, par contre, ça ferait plaisir. Mais bon, pas grave. Je suis déjà à 38, hein, j'ai 38 cristaux. Là, j'arrive à peine. J'aurais vraiment été à pile comme il faut au niveau des catalyseurs. Comme vous avez pu le voir dans mes derniers ups de Tornade, de Magic et de Psylocke. Du coup, là, je vais vraiment monter d'abord Falcon, Sentry. D'ailleurs, j'ai monté Falcon, hein, je voulais vous le dire, je l'ai monté ce matin, il y a un gain de niveau. Il me reste Sentry, The Hood et Cyclope, du coup, à monter. Donc, c'est pour ça, là, faut tout ce que je les monte, d'abord R2, donc, avant de montrer d'autres R3. Donc, vous verrez pas trop de up avant quelques temps. Parce que bah voilà, il faut que je les monte. Il faut concrètement que je les monte avant de pouvoir remonter des R3. Et sachant que je vais peut-être en choper un nouveau là. Je vous avoue que si je chope un éveil là, vraiment là, un éveil, je créerai pas au scandale. Voilà. Mais si on peut avoir un nouveau, c'est toujours ça de prix, hein. Y a aucun problème. Je préfère avoir des nouveaux. Plutôt que d'avoir des éveils. Après, un éveil vraiment intéressant comme Ultra Nyarok ou Iceman, je dis pas non. Mais bon, il y a tellement de personnages maintenant dans les cristaux, comme vous le savez, hein, que bon, on a très peu de chances d'avoir celui qu'on veut. Du coup, les cristaux de pierre. Donc j'espère avoir des unités, hein, dans ces cristaux d'arène dans la collecta, parce que j'en ai 40 quand même, donc j'estime pouvoir au moins en avoir 500. Des unités, je pense que ça serait pas volé d'en avoir 500. Après, si on peut en avoir plus, hein, mais 500, ça me paraît bien. D'ailleurs, je vais reprendre un cristal d'alliance et je vais les ouvrir. Comme ça, j'aurai des boosts, peut-être. Allez, on en a 5. Allez, on veut du boost. Ça, c'est bien. Du petit boost d'attaque. Ça se prend carrément. Toute façon, c'est ce qu'on veut. Hein. Quand on ouvre des cristaux comme ça, c'est parfaitement ce qu'on veut. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose par là? On a le cristal. Ouais, bah, celui-là, on va l'ouvrir. De toute façon, il n'y en aura pas d'autres, normalement. Donc, je vous ferai une grosse opening de Chrysos X-Force. Je ne sais pas par combien. Peut-être par 20, peut-être par. Je sais pas. Je verrai, parce que là, comme on n'en a pas gagné, parce qu'il y a eu le bug, hein, comme vous avez pu le voir. Je sais pas. Je sais pas. Mais pour l'instant, là, j'en ai deux. Je vais attendre. Donc, on va en ouvrir un, 20 directement, puis deux. Enfin, puis un, puis deux. Enfin, 2 x 10. Enfin, vous verrez. C'est jamais très clair, hein, quand je vous dis ce que je vais faire comme ça, mais vous comprendrez. Donc là, on en ouvre un, puis 20.
Oh, le Punisher. Allez, on en ouvre 10. 150 unités. 225 unités. Un peu faible, hein. Un peu faible, là. Hein. Il me faudrait un peu plus, s'il vous plaît. Un. Et du coup, les 20 derniers. 375. Là, on est bien. Ok. Là, je veux bien. Voilà. 750, ça me paraît bien. Pour 40 cristaux, ça me paraît plutôt bien. Voilà. Donc, ça me va. Il n'y a aucun problème. Donc, je suis bientôt à 2000 unités. Donc, que je vais garder précieusement. Pour la fin du mois et la reine Gold Pool. Pour voir un petit peu ce que je fais. Ou peut-être des cristaux de massacre. Je sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on attend, on garde. Mais je pense en avoir mini 3000, 4000 peut-être. Donc ça sera soit pour des cristaux de massacre, soit pour ça, de toute façon. Donc, non, c'est pas ça que je veux. Du coup, maintenant, donc, on en est où? Là, on a tout ouvert de ce côté-là. Du coup, on va ouvrir des 3 étoiles. Donc, on en a 2. Donc, il me manque juste Sentry, hein, comme je vous dis à chaque fois. Ensuite, on a un petit cristal. Un petit cristal à ouvrir du grand maître. On va le faire tourner. Bon. J'ai jamais de chance, de toute façon, dans ces cristaux. Donc, on va avoir un 3 étoiles qui va nous donner généralement du compétence max. Donc, un petit SL. Donc, qui est déjà au max, donc qui nous donne des cristaux de compétences. Enfin, un cristal de compétences pour le coup. Ouais, on va être bien avancé pour le prochain, mais on ne l'aura pas, malheureusement. Allez, on en ouvre 3. Merde, allez. Ah non, faut pas faire ça. Pas de gemme d'éveil, s'il vous plaît. C'est décevant. Allez, on a 3 cristaux, 4 étoiles. Alors, soit avoir du double éveil. Alors, en fait, là, concrètement, il nous faut 3 lots de 5, des classes 5. Donc, en gros, c'est soit on chope 3 fois quelqu'un qu'on a déjà, enfin, déjà éveillé, ou soit, parce qu'on peut choper 3 nouveaux. Hein. Il y a Void. Il y a Killmonger et il y a Ukrainian Rock. Et si on chope un nouveau, mais qu'on chope pas de perso qu'on a déjà au max, bah on va pas compenser en cristaux de compétence max. Du coup, il faut absolument qu'on chope. Faut qu'on. De toute façon, faut qu'on en chope 800. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Ok, Hulk, je crois. Ah, il doit être. Ah, il est pas au max, je crois. Ah si, il est au max. Cool. Donc maintenant, dans ces deux derniers, on a juste besoin d'un lot. Donc faudrait juste, pour qu'on n'ait pas le cristal 5 étoiles, il faudrait qu'on ait Void et Killmonger, ou enfin qu'on ait un des deux, enfin qu'on ait deux fois des nouveaux. Donc ça paraît improbable. Et bah Punisher, j'arrête pas de le choper en ce moment. J'arrivais pas à le choper, mais là je le chope. Voilà. Donc voilà, on a nos 3 lots, donc c'est parfait. Maintenant, bah, le dernier, c'est du bonus. Un petit Void, un petit Ukrainian Ramp, un petit Killmonger, un petit éveil, ça serait pas mal. Hein. Ou un perso qu'on a déjà au max. Donc, par exemple, comme Bouffon Vert. Voilà, ok, donc on a eu 3 doubles. Et 2 qu'on avait déjà au max. Donc là, on est déjà à 10 000 et on a 2 cristaux de compétence max qu'on va s'empresser d'aller ouvrir. Et du coup, on ouvrira le 5 étoiles juste derrière. Voilà, 550 éclats. Et du coup, nous sommes à 10 600. Et du coup, on va tomber à 600 dans pas trop longtemps parce qu'on va ouvrir un petit cristal 5 étoiles. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, est-ce qu'on va avoir un éveil? Intéressant ou pas, un nouveau ou un perso qu'on a déjà plein de fois, hashtag Iron Man, hashtag Captain Marvel. Voilà. Allez, c'est parti.
Non! Oh, j'aurais dû me taire! Putain, c'est bien fait pour moi! Ah putain, il monte à 100! Ah, c'est bien fait pour moi! J'étais sûr! J'étais sûr, c'est bien fait pour moi! Voilà, j'ai le nom de la vidéo, c'est bien fait pour moi! Putain, j'aurais dû fermer ma gueule! Ah, le con! Ah, Kabab m'a écouté! Ah, le con, putain! Bon, ça fait des éclats 6. Voilà. Donc, il monte à 100. Dégoûté! Dégoûté, dégoûté, voilà. Un cristal 5 pour rien. Voilà, concrètement. Comme d'habitude, mais j'aurais dû me taire, c'est bien fait pour moi. J'aurais dû me taire. C'est pas grave, voilà, c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute. En soi, ça aurait rien changé, mais voilà. C'est bien fait pour moi, en tout cas. C'est bien fait pour moi. J'ai parlé d'Iron Man, donc voilà. Tant pis. Voilà, bah en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous, et on se retrouve rapidement pour un nouveau super opening qui, je l'espère, m'offrira un nouveau, parce que là, bah voilà. Comme d'habitude, dès que je chope Iron Man, ça me plombe le moral, mais un truc de malade. Je sais pas à quel point. Vous savez pas à quel point, franchement, ça me mine le moral de choper Iron Man, franchement. Voilà, bah en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve rapidement pour de nouveaux super openings qui, je l'espère, seront bien meilleurs. Allez, salut, à la prochaine!